qui anime une religieuse bon, bénédictine, c'est ora, il y a vraiment ora et labora. Ora, prie et travaille. Vivre sous le regard de Dieu, peu importe ce qu'on fait, c'est, voilà, c'est vivre. Le souffle de notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est la vie de la communauté, réglée par les offices. Dans ce cadre-là, il y a, donc ça c'est ora, la prière communautaire, la prière personnelle. Et puis dans la journée, on a ben, la vie fraternelle, donc déjà les repas, le travail, les réunions. Et puis après, je reçois mes sœurs, je rencontre les gens aussi de l'extérieur. Donc je suis un peu au service de, l'organisation, de la vie. La force de la communauté, c'est que je ne serais pas ce que je suis sans la communauté. La communauté est ma vie. Je pense que la communauté me fait ce que je suis. Et c'est très fort et c'est à l'image de la Trinité. Et je pense que c'est pour ça que la vie commune est à la fois si difficile et en même temps prophétique. Plus grande joie, ma joie d'être vivante, d'être aimée, c'est d'être une avec les autres. C'est cette vie reçue, donnée, ces relations, c'est d'être un être de relation. Ce qui me semble fondamental et ce qu'on redécouvre en communauté, c'est la force des psaumes, la prière des psaumes ensemble. C'est-à-dire que les psaumes portent le cri du monde, que ce soit la promesse, que ce soit la joie, que ce soit la détresse, que ce soit l'angoisse ou même l'extrême souffrance. Hein, parce qu'en l'homme, il y a tous ces sentiments, il y a toutes ces situations, il y a toutes ces joies, mais tous ces drames. Et aujourd'hui, ça me semble répondre à nous rejoindre, porter le monde. Et il y a une urgence de, voilà, de tenir la flamme de l'espérance et de la victoire du Christ